Yo les gars, c'est Enskyo, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une ETB. Alors, j'avais déjà record le début de la vidéo. J'ai pas ouvert les boosters encore, vous inquiétez pas. Mais j'avais record le début de la vidéo, j'avais ouvert la boîte, etc. Sauf qu'en fait, j'ai filmé tout et n'importe quoi, donc j'ai décidé de recommencer. Alors attendez. Avant de vous montrer la petite boîte, ce qu'il y a dedans. Attends, par contre, elle se ferme mal, j'ai l'impression. Il y avait un truc comme ça. Avec un QR code, je sais pas ce que c'est, si vous voulez scanner. Et j'avais aussi eu du coup le petit manuel qui est toujours avec la boîte. Hop, voilà les cartes un petit peu rares. Oh, y avait un truc sur mon tel. Elles sont pas très belles les cartes, franchement, s'il faut être honnête. À part la Mewtwo qui est vraiment superbe. Et après, il y avait le contour de la boîte avec des petites images à l'intérieur. Je suis désolé les gars, j'ai plus de souffle aujourd'hui. Donc. Vous me pardonnerez. Je vais vous montrer quand même ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, même si je viens de tout ranger. Du coup, on a des petits trucs comme ça que je vais laisser sceller parce que ça me sert absolument à rien. Pareil pour les protège-cartes, j'en ai déjà d'autres. Et là, les petites énergies. Ah, j'ai oublié aussi ça. Des petits range bidule chouette. Je vais essayer de ranger ça comme je peux. Hop, par là. Sans trop abîmer. Voilà, magnifique. Bon, au moins l'intro est moins longue que dans la vidéo que j'avais recordée juste avant. On a aussi évidemment le code pour la boîte, surtout pour avoir Mewtwo, et la carte promo juste là. Très 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 stylée. Il n'y a pas juste un fond moche. Là, il y a un petit fond sympa, franchement. D'ailleurs, je voulais ouvrir l'ETB 151. Mais je la trouvais pas, elle vient de sortir, mais tout le monde se rue dessus et tout. Du coup, je me suis replié sur celle Pokémon Go que j'avais pas, donc c'est très cool. D'ailleurs, le vendeur m'avait offert des cartes un peu éclatées. Enfin, c'est méchant de dire ça, mais c'est un peu la vérité. Une petite carte japonaise, mais bon. C'est la dernière collection, je crois. Par contre, les protège-cartes sont sympas. Et ça, c'est parce que c'est mec. Mais bon, en vrai, je prends. Celle-là, c'est cool. Ça fait plaisir. Mais du coup, les petits boosters sont là. Il y en a 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et let's go, les gars. Je finis de parler. Et on ouvre ça. Ça va être une vidéo de chill. Je parle pas trop parce que j'ai mal à la gorge. Et les boosters, s'ils veulent bien s'ouvrir, s'il vous plaît. Ah, parfait. Il y aura une deuxième vidéo d'ailleurs où je vais ouvrir des boosters flammes obsidiennes. Mais je vous en parlerai du coup dans l'autre vidéo. Aujourd'hui, c'est Pokémon Go. Je crois que j'ai jamais ouvert cette extension. Alors que je joue à Pokémon Go, j'aime beaucoup le jeu et tout. Hop. Petit booster. Les boosters en général, je les garde. Pour rien, mais je les garde. Alors le code, je vais pas vous le donner, les gars, je suis désolé. Parce qu'en fait, je les utilise pas après la vidéo. Je les utilise. Genre, je les garde non utilisés. Pour les ouvrir plus tard. Bref. Alors, petit Pikachu, très stylé. Sauf qu'il pue. Pois chichon. Je vais essayer de cadrer le mieux possible, mais je vois rien. Il y a mon tel sur le tabouret. Un petit Xatu en holo. Et on commence avec Florizarre holo. Enfin non, en reverse, pardon. Je sais pas s'il y a que des holos dans cette collection. Et énergie, et puis tout le reste, bon. C'est combien du coup? C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Au moins, je sais pour la prochaine fois. Hop, je trie les cartes. Boum, boum, boum. Boum, boum. Voilà. Parfait. Putain, j'ai déjà plus de voix. Let's go. Mec, c'est fou. J'ai pas parlé de la journée. Ma voix, elle est quand même morte. Hop, deuxième booster. J'espère vraiment qu'on va avoir un bon truc. Même si dans cette collection, il n'y a que des cartes moches. Sauf le Mewtwo, comme je vous ai dit. Ok, les boosters sont durs à ouvrir. Et les cartes veulent pas sortir. Allez, allez. J'ai pas trop envie d'abîmer les boosters en plus. Vu que je les garde de côté. Hop, le petit code, il dégage. Du coup, c'est 1, 2, 3, 4. Allez. Let's go, baby. J'essaye de pas spoil. Énergie, machin bidule. Super bonbon. Flagados. D'ailleurs, je sais pas s'il y a beaucoup de cartes. Non, il y en a 78. Je sais pas si je pourrais avoir toute la collection, pourquoi pas. Capumain, Mimigal, Ratata d'Alola, Sauf-Qui-Pou, la première reverse, on a
Léviator. Oh, je vois qu'il y a un petit truc derrière. Ah, c'est juste une V. C'est qui? Ah non, Betochef. Frère, il est trop moche. Pourquoi il a une petite barbichette? Ok, bon, au moins on a un petit hit, petit Betochef. Je vais pas le mettre sous pochette maintenant, je le ferai après la vidéo. Mais il est sur mon lit, il bouge pas, les gars. Je l'abîme pas, vous inquiétez pas. On continue, let's go. Wesh, c'est trop dur. Bon, je vous jure, je suis vraiment trop essoufflé. C'est une dinguerie. Hop là. Hop. Mais je suis tellement organisé, il y a toutes les cartes qui sont bien mises partout. Oh, on a une V-Star machin bidule. J'en ai pas eu souvent des V-Star comme ça. Ok, donc c'est une sorte d'énergie moche. Petit Reptincelle, ok, stylé. Super bonbon. Migalos. Capidextre. Ratatac. Ambrilex. C'est le même? Ah non, Capidextre. Ça finit par ex, j'ai cru que c'était pareil. Mimigal, petite capitaine d'équipe blanche. Ok. Et. Oh! Dis-moi que c'est Mewtwo par pitié. Oh! Bah pour le coup, lui, je vais vraiment le mettre sous pochette direct. Oh, mec, mec, mec. Mais non, je suis trop heureux. C'était la seule carte que je voulais de l'extension. Elle est incroyable. Non, c'est une dinguerie. Alors attendez, la petite pochette qui arrive. Ah, c'est des pochettes sur le côté, moi. Attends, je vois rien, je stresse. Oh mec, elle est trop belle. Je sais pas si elle vaut de l'argent, mais moi je vends pas mes cartes de toute façon. Mais je regarde tout le temps le prix des cartes pour savoir si elles sont cotées entre guillemets et qu'elles sont un peu rares. Putain, ma pochette elle est tellement fit. Je sais pas si c'est une bonne chose de mettre des cartes dans des pochettes aussi fines, les gars. Putain, elle est trop belle. Attendez, on va regarder le cahier pour voir les cartes qu'il y a dans la collection. Parce que pour le coup, c'était vraiment la plus belle, je trouve, et la plus rare. C'est une full art alternative. On a quelques petites V dans la collection. Franchement, on s'en fiche. La V de Mewtwo, elle est pas mal aussi. Dracolos, on a Dracolos V-Star. Ça, c'est quoi? Melmetal V-Max. Ok. Quand il y avait encore les V-Max. Monaflamid V. Et du coup, là, vous voyez qu'il y a combien d'alternatives? Il n'y en a que deux. Il y a Betochef et Mewtwo. Mec, elle est incroyable. Et après. Ouais, il y a la V en. Ok. Ok. Bah, en vrai, on a eu honnêtement la meilleure. Genre, vraiment. Putain, je suis trop content. Ok, bref, on va pas parler pendant 3 ans. Hop, on continue. Alors attendez, j'ai même pas classé les cartes, tellement j'étais content. Mec, non, je suis trop content. Punaise. Elle est incroyable. Bah c'est bon, la journée elle est refaite. J'ai même pas besoin d'avoir d'autres cartes. Enfin, si vous voulez me donner d'autres cartes, y a pas de problème. Mais là, mec, je suis satisfait. Merci beaucoup, vraiment, le jeu. Enfin, c'est pas un jeu, mais on s'est compris. Psycode là-bas. 1, 2, 3, 4. Ok, let's go. Hop. Petite énergie, feu. Un petit Pokéstop. Steelix. Xatu. Colombo. Bulbizarre. Natu. Capidextre. Ramolos. La première énergie, on a. Oh putain! Mais quoi? Mais non, mais mec! Non, mec! Non, on dirait c'est scripté. Putain, j'aurais dû ouvrir la. Là, j'ai encore le rush où j'ai ouvert la boîte. Au pire, je le garde. Attendez, on va quand même voir ce qu'il y a derrière. Qu'il n'y a rien, tant mieux. Enfin, tant mieux, comme ça abîme pas la carte. Mec, je vous promets, j'avais oublié l'existence de cette carte. Je ne savais même pas qu'elle était là. J'ai vu Reptincelle tout à l'heure, je me suis dit, il y a peut-être un Dracaufeu. Mais là, quand on a revisionné les cartes ensemble, je n'ai pas vu de Dracaufeu. En fait, c'est un radieux. Putain, mec, il est trop beau en shiny, comme ça. Par contre, ça me fait tellement de peine de devoir la pousser dans un protège-carte tout fin. Mais au moins, elle sera bien protégée. Et elle sortira jamais de là. Putain, mec, c'est une dinguerie. Attends, vraiment. On re-regarde encore la collection. Je suis désolé, mais où est-ce qu'elle est? Ah ouais, elle est là. Attends, donc, on a aussi Florizarre Radieux. Attends, il y en a d'autres ou pas? Donc, il y a le Dracaufeu. Il y a un Tortank. Mec, en fait, je regardais pas les cartes banales, entre guillemets. Oh, le Pikachu avec une cassette, il est très stylé. Ok, on va prendre un peu plus de temps pour regarder puisque c'est une dinguerie. Là, il n'y a rien. Il y a des métamorphes. Les métamorphes, ils peuvent être cachés sous des cartes. Je crois qu'ils peuvent être cachés sous des cartes, non? Attends. Y a pas, je crois qu'il y a un symbole. Je sais plus si c'est dans cette collection. Je suis complètement perdu. Mais cette collection, elle date un petit peu, donc je. Ok.
Bref, mec, c'est trop une dinguerie. Pointe la carte. Oui, c'est une dinguerie comment elle est pliée. Attends, c'est pareil pour Mew? Pourquoi elle est pliée comme ça la carte? Ouais, c'est une dinguerie. Bah, vas-y, hein, tranquille. Mec, non, vraiment, c'est trop fou. Putain, ma meilleure perf, c'était d'avoir eu Dracaufeu Shiny. Et là, mec, j'ai la meilleure full art alternative. Par contre, je sais toujours pas ouvrir de booster. Non, je suis trop heureux. Merci bien. Merci bien, Pokémon. 1, 2, 3, 4. Par contre, j'ai le pied tout engourdi. J'ai le pied tout engourdi. Ok, on continue. Capitaine Blanche, Solarok, Incubateur d'œufs, Carapuce. Du coup, la vidéo dure un peu longtemps, mais bon, c'est parce qu'on a des cartes de fou. Salamèche, ok, carré. Evoli, Xatu. On a un petit cap humain, très stylé. Et Melmetal. Melmetal, c'est cool. Il est sympa. Alors attendez, on va juste regarder les cartes qu'on a eues pour voir s'il n'y a pas un métamorphe. Parce que je ne sais pas si c'est dans cette collection. Mais je sais qu'il y avait un délire, en gros. Il y avait dans une collection des reverse qui sont décollables. Tu peux décoller la carte. Alors attendez, faut pas que je bouge trop mon tel, mais je m'assois autrement parce que mon pied, je le sens plus. Mais bon, c'est pas grave si je sens plus mon pied, tant que j'ai les bonnes cartes. Hop. En plus, j'enregistre sur mon iPhone, frère. J'ai pas de caméra, donc je peux pas faire de pause ou de montage. C'est du one shot. Ok, nice. Hop. Il nous reste combien de boosters d'ailleurs? On va regarder. Il nous en reste 5. On est pile à la moitié. Attendez les gars, bougez pas. Je vais m'asseoir un peu mieux. Aïe. Ah, j'ai trop mal au pied. Oh purée. Ah, j'ai trop mal, j'ai trop mal. Mec, je sais pas. Attendez. Ok. Je crois que là, c'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. J'avais trop mal au pied, vraiment. C'est la vidéo la plus chaotique. Non, on s'en fout. Ok, let's go. Mais là, on a eu tellement des bons trucs, on peut pas avoir mieux. Candela, Flagados, Celeroc. Oula, j'en ai oublié une. Pikachu. Je sais pas si on peut avoir Pikachu avec la casquette. Carapuce, Meltan, Kenotor, j'ai eu peur. Magikarp, les reverse normales, elles brillent de fou. Evoli, Dracolos, V-Vestar. C'est la seule V-Star de la série, je crois, non? Je sais pas. Je crois que c'est la seule V-Star de la série. Et Melmetal, c'est la seule VMAX. Putain, bah let's go, hein. Mec, dites-moi si c'est normal que j'ai autant d'ultra, ou si la collection, je sais pas, soit j'ai vraiment de la chance, je pense qu'il y a un petit peu de chance aussi, mais est-ce que les ETB sont bien garnis comme ça? Parce que, ça se trouve, elles sont... Il y a un bon quota dans à peu près toutes les ETB, je sais pas. Putain, elle est trop belle. Bon, je suis un peu moins fan comparé aux deux qu'on a eu avant, mais elle est quand même incroyable. Par contre, l'autre vidéo, j'ai 15 boosters. Je vais clairement pas la faire dans la même position. Là, je sens plus mes jambes. Faut que je me dépêche avant que je meure. Par contre, la vidéo, elle dure 3 ans, mais 10 boosters, ça, c'est long. Je me rappelais pas que c'était aussi long. Alors après, je prends un peu mon temps. Ok, hop. On continue. Let's go. Dracaufeu. Feu. Ça veut rien dire. Énergie feu, Migalos. Mec, j'ai trop mal. J'arrive pas. Bah, les gars, je suis désolé. Je peux pas monter plus haut mon bras. J'ai trop mal. Steelix, Rattata. Sufkipou. Pikachu. Toujours pas avec la casquette. Carapuce. Kenotor. Steelix. Et Lokhlass. Ok. Pourquoi pas. Il nous reste 3 boosters. Là, le seul truc qui nous manquerait en réalité, ça serait une secrète. Et une arc-en-ciel ou une gold. J'ai pas envie de faire trop le demandant. Là, on a eu des dingueries. Mais une petite secrète, je dirais pas non. Je prendrais bien bah, soit le Mewtwo Gold, évidemment. Soit le dresseur de la team jaune en arc-en-ciel. Puisque je suis team jaune dans Pokémon Go. Hop. Ok, boum. 1, 2, 3, 4. C'est une collection d'épées et boucliers, celle-là d'ailleurs. Je crois que c'est épées et boucliers. Ok, on a énergie de psy. Migalos, Steelix, Xatu, Ambrilex, Capumain, Mimigal, Rattata, Sufkipou, Bulbizarre et
Absolument rien. Non, encore toi. Donnez-moi au moins des holos que j'ai pas. Ok, deux boosters, c'est parti. Est-ce qu'on va pouvoir le faire? Franchement, je suis 100% satisfait. Si là j'ai plus rien, franchement, c'est pas grave. Mec, rien que j'aurais eu juste Mewtwo, j'étais satisfait. Ils m'ont donné une radieuse en plus, Dracaufeu en plus. Et Dracolos, j'ai failli tout spoil. Je crois qu'on n'a rien vu. Je crois qu'on n'a rien vu, donc il y a peut-être rien dans ce booster. On va voir. Hop là. Ah, bah si, j'ai vu un truc. Bon, je sais pas ce que c'est, mais j'ai vu un truc briller. Heureusement que je regardais l'objectif de mon téléphone. Infect, Levenard, Capitaine Spark, Capitextre, Ramonlos. Oh, Castorno, il est très très stylé. Mimigal. C'est rare que des cartes basiques soient belles. Melmetal en rare reverse. Ok, les gars, vous êtes prêts? On va y aller doucement. Ah, c'est juste une V. Ok, c'est qui? C'est peut-être Dracolos? Melmetal. Non, Dracolos, il est jaune. Ok, bah double Melmetal. C'est carré. Pareil, la V, je vais la protéger plus tard. C'est moins important. Et le dernier booster. Après, je vais me dégourdir les jambes. Hop. Oh merde, je l'ai ouvert n'importe comment. Allez, allez. Ok, parfait. Boum. 1, 2, 3, 4. Oh, un autre V-Star. J'aime bien. Hop, on retourne. Hop, ça dégage. Ok, Infect. Est-ce que la vidéo peut se terminer en beauté? Capitaine Spark. Colombo. Bulbizarre. Natu. Capidextre. Ramolos. Oh! Et derrière. Non, derrière rien. Ok, mec, bah c'est super. Parfait. Parfait, parfait. Je vais la protéger. Je vais la protéger après, vous savez quoi? Hop, je vais la laisser là. Hop, elle n'est pas abîmée. Putain, Florizarre radieux, Dracaufeu. J'aurais peut-être préféré Tortank. Non, en vrai, Florizarre, c'est très bien. C'est très très bien. Bon bah voilà les cartes qu'on a eues dans cette vidéo. Le Dracaufeu qui est un peu plié. Et je pense pas que ça soit le protège-carte. Hop. Voilà tout ce qu'on a eu. Franchement, très 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 bien. Très très content. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Sans oublier celui-là aussi d'ailleurs. Hop. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis voilà. Ciao, ciao.